Ok, bonjour les amis, toute mini vidéo pour vous parler du coup du coronavirus. Là, je ne pourrais pas rester, enfin, mon avis ne sera sûrement pas très utile, mais je ne pouvais pas faire de vidéo là-dessus. Hein. Depuis que j'ai vu la vidéo de Marie ce matin, je me suis dit, oui, c'est un peu con de faire comme si de rien n'était, donc je vais moi aussi vous faire une vidéo sur le coronavirus. Donc, comme vous le savez, on est confiné, on a juste des papiers à remplir comme ça pour sortir, pour faire les courses, pour sortir les animaux de compagnie, donc moi, ma chipie. Et tout le monde dans mon quartier recopie pour ceux qui n'ont pas d'imprimante. Moi j'en ai une, ça va, j'ai imprimé une feuille, mais pas 50, parce que les autres, quand ceux qui recopient à la main, ils en recopient 50. Et pareil, ceux qui ont une imprimante, ils en impriment 50. Parce qu'en fait, eux, ils écrivent tout au stylo. Mais ça peut durer longtemps, hein, comme ça, d'imprimer des feuilles comme ça pour sortir. Il faut juste en imprimer une ou en recopier une selon ce que vous avez. Et vous écrivez au papier, puis vous gommez à chaque fois que vous changez de sortie. C'est plus simple. Hein. J'espère avoir aidé des gens. J'espère que quand vous regardez ma vidéo, vous n'êtes pas à votre 30e page de recopier. Hein. Et donc, voilà. Donc, je vais vous parler du coronavirus parce qu'on est tous confinés. J'ai quelques problèmes avec vous, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, être confiné avec des gens que vous n'aimez pas, enfin, au tué en bas en l'occurrence, c'est très chiant, hein, c'est super chiant. Et donc voilà, mais le problème des voisins, ce sera pour une prochaine vidéo quand tout ça sera calmé. Donc évidemment plus d'école, donc vu qu'on n'a plus le droit de sortir, plus d'école, forcément là je vais me consacrer à mes vidéos. Vous avez vu, j'ai même lancé une nouvelle série, hein, je me mets bien sur Pierrick et Roger. Alors c'est très flou, mais quand je tourne c'est pas flou du tout, alors je suis désolée. Jusqu'à ce que je trouve une meilleure caméra, on va devoir rester avec cette qualité floue. En tout cas, j'espère que les blagues pour vous sont assez drôles. Donc là je filme avec mon magnifique trépied. Donc comme vous avez vu dans la vidéo test, il marche, regardez, je peux le bouger, il marche super bien. On va le poser. C'est vraiment super utile et donc je m'en sers pour tourner mes vidéos Pierrick et Roger. Voilà, donc là il est posé sur mon micro-ondes. Bonjour, bonjour. Je peux le reprendre et je peux le poser. Bon, bref, on est là pour parler du coronavirus, mini courte vidéo. Marie avait dit ça, on s'était retrouvé avec une vidéo de 17 minutes, mais c'est pas grave. On n'est pas pressé, vous avez tous le temps, hein, pour le coup, là, on est tous confinés, on n'a plus le droit de sortir. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai été faire mes provisions. Je vous montrerai ça... Bon, en fait, non, je vais vous le montrer tout de suite. On est là pour parler du coronavirus. Pourquoi faire 50 vidéos sur le même sujet? Alors, par contre, on voit pas très bien. Donc, on est blindé en conserve. Je sais pas si vous voyez très bien. On est super blindé en conserve. Et on a encore ici. On a tout ici. Et il y en a même ici. Voilà, donc niveau conserve, on est blindé. C'est pas de ça qui manque. Dans le frigo, je vais vous montrer. Hein, c'est bon, j'ai rien à cacher non plus. Hein. J'ai des courses comme tout le monde. Voilà, c'est mon frigo. Pareil, hein, j'ai un congélateur. Et donc, voilà. Alors après, il y a d'autres coins aussi. Parce que bon, on a été faire nos provisions. C'était... que je dise pas de conneries... avant-hier, et du coup le Lidl était complètement dévasté, mais on a pris ce qu'on a pu, on a pris tout ce qui restait de toute façon, et voilà ici, là c'est plus que coin goûter déjeuner, et donc voilà, c'est nos provisions quoi. Ah, puis on a aussi un autre endroit, oui on a beaucoup d'endroits pour stocker la bouffe, mais voilà, au moins on est bien. Donc si je veux vraiment tout vous montrer, ici on a un saut de pop-corn. On a des Lucky Charms juste ici. On a les boîtes à conserve dans le buffet. Ici, c'est un petit peu un meuble à bonbons. Et de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est un truc à gâteau, chocolat, tout ça. Voilà. Et donc ça, c'est pour la chipie.
la cracotte, c'est juste ici. Et évidemment, la chupille a ces petits bâtons qui sont juste ici. Voilà. Donc, la cracotte, là, on est bon. D'ailleurs, je vais vous la montrer, la cracotte. Hein. Les animaux, pour parler un peu des animaux, pendant cette période, ils vont être au paradis, sauf peut-être la chipie, qui sortira beaucoup moins, du coup, de ce fait. Et donc, voilà la petite bouille. Cracotte. Et voilà l'autre petite bouille. Voilà. Donc elle a ses jouets, pareil, ses graines, ses croquettes, pardon. Et voilà, donc pour le moment, pour le coronavirus, ça sort plutôt bien. Niveau boisson, on a l'eau à volonté, et puis il nous reste encore quelques packs d'Ice-T. Voilà. Donc bah écoutez, rien de plus à dire au niveau du coronavirus. Donc voilà à quoi ressemblent les feuilles. Vous les trouvez sur le site du gouvernement. Là, alors je vous montre vite fait parce qu'il y a mon adresse. Hein. Vous les trouvez sur le site du gouvernement. Alors je vous montre pas mon adresse. Voilà, donc c'est des trucs à remplir, à cocher. Vous voyez ? Et donc, bah, si on fait au compte papier, après on peut gommer et refaire une autre sortie. Je trouve quand même un peu ridicule le système de vérifier les papiers. Et surtout d'avoir une amende pour ça, quoi. Encore, rien que vérifier les papiers, c'est déjà chelou, mais passer encore. Avoir une amende parce qu'on n'a pas ça, c'est... Je trouve déjà la situation déjà bien embarrassante. Alors si en plus, si on respecte pas une seule règle, on a une amende, ça rajoute quand même quelque chose. Le coronavirus, c'est déjà bien assez chiant comme ça. Enfin, ça dépend de quel côté on le voit. D'un côté, il n'y a plus d'école, on reste à la maison enfermé. Donc pour les gamers, les youtubeurs, ça va être le pied. Hein, et vu que j'en fais partie des gamers, donc bah, pour moi, c'est un plaisir. Et donc, voilà. Donc là, je m'apprêtais à me mettre South Park, puis je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Donc South Park, hein, je vous ai présenté dans ma vidéo présentation de DVD. Voilà, j'ai pratiquement toute la série. Donc voilà, moi j'ai de quoi m'occuper encore. Au niveau occupation aussi, je vais vous dire. Petite vidéo coronavirus pour vous montrer où j'en suis. Alors là, on va pas voir très bien, on est dans ma chambre. Et le problème, c'est que j'ai pas encore ouvert les volets. Ici, évidemment, tous mes DVD. Voilà. Oh putain, mais bon. Quitte à être ici, je voulais vous montrer mon nouveau dessin. Rien à voir. Rien. Non, le dessin est juste ici. Est-ce que vous le voyez? C'est un dessin de Ghostface. Tenez, d'ailleurs, aujourd'hui ou jeudi, je vais recevoir mon deuxième colis. Et c'est en rapport avec Ghostface. Alors, je vous laisse deviner. Voilà, donc c'était ma petite vidéo qui dure quand même 8 minutes, hein. Décidément quand on dit petite vidéo, c'est une très longue vidéo sur le coronavirus pour vous dire un peu où j'en suis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire où vous en êtes. Moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo peut-être plus joyeuse, c'était Lucas, ciao.